Il est exactement 19h, heure de Kinshasa, la capitale d'où nous émettons. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la chaîne des références. Tout de suite, les sommaires. Poursuivant sa mission d'itinérance dans le Grand Kassai, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce lundi 27 décembre 2021 les sites miniers de la société Anu Congo SARL, une entreprise spécialisée en investissement minier. Préoccupé par la situation sécuritaire dans la ville de Beni, au Nord Kivu, au lendemain d'un attentat terroriste perpétré par l'ADF, le Premier ministre Jean-Michel Samuel Kondo Kienge a présidé une importante réunion de crise de sécurité ce lundi 27 décembre 2021 à la primature. Cette réunion a connu la participation de quelques membres du gouvernement et des responsables des services de sécurité et des renseignements. Encore une fois, bienvenue. Nous venons de vous l'annoncer au sommaire. Le président de la République démocratique du Congo poursuit sa mission d'itinérance dans le Grand Kassai. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité ce lundi 27 décembre 2021 les sites miniers de la société Anu Congo SARL, une entreprise spécialisée en investissement minier. Le chef de l'État est allé sans nul doute s'imprégner des réalités de la dite société et connaître également les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs. La suite avec la presse présidentielle. Profitant de son séjour dans le Grand Kassai, le chef de l'État s'est rendu ce lundi à Miabi, l'un des territoires dont le sous-sol regorge d'importants gisements de diamants, aujourd'hui source de vives tensions entre les communautés locales et l'entreprise chinoise dénommée Sasim. Histoire pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir une idée claire autour de l'extraction de ce précieux minerai dont l'exploitation a également créé un contentieux avec la minière de Bakwanga, Miba en sigle. C'est sous les ovations d'une population en liesse et difficilement maîtrisable que le président de la République a fait son entrée triomphale de la cité de Miabi jusqu'au groupement de Benachimungu sur le site minière de la Sasim. Une longue séance de travail autour du garant de la nation avec tous les acteurs impliqués dans le contrat entre le gouvernement et l'exploitant chinois ainsi que la MIBA. Après avoir écouté attentivement toutes les parties, le chef de l'État a instruit la mise sur pied d'une commission paritaire composée notamment du gouvernement à travers les ministères des Mines, du portefeuille du Collège Mines et Énergie du cabinet du chef de l'État et de la MIBA. Nous sommes très contents de l'arrivée du chef parmi nous parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les réalités de la Sasim. On a toujours qualifié à tort la Sasim d'être une entreprise chinoise. Alors qu'à la Sasim, la partie chinoise a 50% de parts sociales et l'État congolais a 50% de parts sociales. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Nous étions réjouis lorsqu'il a demandé à ce qu'au niveau de l'IGF, on vienne enquêter pour établir les responsabilités de chaque partie. Je pense que l'IGF a déjà fait son rapport. Le président n'ignore rien de la situation de la Sasim. Il a toute la situation et il sait quelles décisions prendre pour l'intérêt général de chaque parti. La plupart des travailleurs de la Sasim se plaignent de tout. Des mauvaises conditions de travail au non-respect des heures supplémentaires, en passant par des contrats de travail que réclament les ouvriers avec plus de 3 ans d'exercice comme journalier. Toutes les recettes sont donc bonnes pour inciter les agents à la révolte. Nous sommes en train de passer un moment tellement difficile dans cette société, parce que c'est notre société, ça se trouve dans notre pays, mais nos frères sont en train de nous maltraiter sérieusement.
Parce que si nous suivons, la société n'a pas de convention collective. Quand cette société a commencé, on nous paye 26 jours, le mois de 30 jours, et on nous paye 27 jours, le mois de 31 jours. Mais à un certain moment, on commence à nous payer 22 jours, le mois de 28 jours, on commence à nous payer 20 jours, comme le mois de 7 ans de l'année, début de cette année, on nous a payé 20 jours. Ce n'est pas correct. Parce que si nous suivons la loi congolaise, une société, après 6 mois, la société doit être dotée d'une délégation syndicale. Mais cette société a 8 ans sans cette délégation syndicale. Mais Ngaï n'a pas pensionné. Tous les pensionnés dans l'équipe de Totelia, Sikosikoy, les gens qui ont été en Sukawa, lobby de Kokende Libela. Mais tous les gens qui ont Moko, tous les gens qui ont été en ba lobi bo pesa ba doléance to pesa ba doléance ba bengali biso yango wana nga na baksiwan to sale le côté ba baninga ba tikala ku sala musala ba sala bien té. Voilà pourquoi le chef de l'État appelle au respect des engagements de la part de la société chinoise, surtout en termes des actions sociales en faveur de la population, allant de l'embauche à l'électrification en passant par la construction des forages d'eau. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste également sur la révision à la hausse des salaires des agents en colère depuis des années. Mais le tout devra se faire dans le respect des termes du contrat gagnant-gagnant entre les parties, mais surtout remettre la MIBA dans ses droits sans pour autant léser l'investisseur chinois qui a demandé aussi à l'État de protéger ses intérêts. Attentat terroriste à Beni, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a adressé un message de compassion et de condoléances aux familles des victimes. Le chef de l'exécutif national a rassuré la population de la détermination du gouvernement à en finir avec l'ennemi. Patrick Borel Mukendi et James Katambouachouka. Situation sécuritaire dans la ville de Beni, au nord Kivu, au lendemain d'un attentat terroriste perpétré par les ADF, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé une importante réunion des crises de sécurité lundi 27 décembre 2021 à la primature. Cette réunion a connu la participation de quelques membres du gouvernement et des responsables des services de sécurité et des renseignements. S'est confiant personnellement à la presse, à l'issue de cette réunion, le chef du gouvernement a commencé par exprimer la compassion du gouvernement envers les familles de tous les compatriotes tombés le jour de cet acte terroriste commis en plein centre-ville de Beni par l'ennemi. Le Premier ministre, qui invite par ailleurs la population à la vigilance et à la dénonciation, rassure que son gouvernement reste déterminé à mettre fin à l'activisme des ADF dans cette partie de la République. Enfin, le chef du gouvernement appelle l'ensemble de la population à maintenir l'élan de solidarité avec les compatriotes de Beni, surtout en ces moments précis, afin qu'ensemble, nous puissions mettre définitivement cet ennemi de la République hors d'état de nuire. Le premier message, c'est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers à la suite de cet acte terroriste commis. Mais c'est aussi un message que nous voulons lancer à la population de vigilance, de rester vigilant en cette période de fin d'année pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Vigilance à tout moment, tout azimut et surtout signalement. Dès qu'il y a un événement anormal qui est vu, ça doit absolument être signalé. Mais aussi demande de soutien de toute la population. Nous l'avons vu, toute une compassion s'est levée de tous bords et de tous acteurs politiques, dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République, et donc ce soutien, il doit rester maintenu. Pour rappel, un attentat terroriste a été perpétré le samedi 25 décembre 2021 à Beni, dans la province du Nord Kivu, un acte ignoble qui a causé des pertes en vies humaines. Et les acteurs de la société civile du Nord Kivu disent ne pas être prêts sur la mesure du gouverneur militaire Constant Dima Kongba
ramenant les couvre-feux de 22h à 20h pour la ville de Goma. Ces derniers proposent plutôt à l'exécutif provincial d'élever carrément cette décision qui risque de bloquer l'économie de la province, vu que les activités commerciales se terminent un peu tard dans la soirée. Ils regrettent également les braquages qui s'est fait en plein jour dans la ville pendant que la province se trouve dans une période d'état de siège. Les propos des uns et des autres ont été recueillis pour vous par notre correspondant sur place, Germain Tikour. Restrictif par rapport à la circulation des motos, que ce soit la question de ramener le couvre-feu jusqu'à 20h, ce ne sont en fait pas de mesures qui vont avoir un impact direct sur la question sécuritaire. Je vous pose une question. Nous avons connu hier un braquage en plein jour d'un dépôt relais. En plein jour. Et les personnes ont opéré sans être même inquiétées par ne fût-ce qu'un seul élément de la police. Et nous sommes sous état de siège. Donc où on est censé avoir une sécurité maximale. Ce n'est pas optimal. Donc, cela ne pas en fait, ce ne sont pas des mesures en fait qui vont avoir un impact direct sur la situation sécuritaire. Parce qu'on est en train de toucher le mot, pas de considérer, mais que l'on puisse trouver d'autres stratégies pour sécuriser la ville. Voyez, c'est pourquoi moi je dis qu'il faut agir en amont, pas en aval. On ne peut pas agir sur les effets, mais il faut agir sur les causes. Les causes, ils sont connues de eux-mêmes, les autorités militaires et policières. Parce que ceux qui commettent ces crimes en Goma, ils sont connus. Ce sont des réseaux qui sont connus des autorités. Ce sont ceux-là qui doivent être appréhendés si on veut avoir la paix dans cette ville. Et non pas l'inverse. Dire que non, les gens ne vont plus circuler. Alors si un criminel voulait agir à 16h, on va faire quoi? Maintenant qu'on a braqué un dépôt relais à 13h, on va faire quoi? Voyez, c'est ça. Il faut agir en amont et non pas agir sur les effets. Il faut agir sur les causes. Et les causes, ils sont bien connus par les autorités parce qu'ils ont le moyen, ils ont l'information, ils ont la logistique et l'argent et les ressources humaines nécessaires. De son côté, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima Kongba, a fixé l'opinion sur les couvre-feux dans les villes de Goma, Butembo et Beni. Dans sa communication de ce mardi 28 décembre 2021, les porte-parole du gouverneur militaire précisent que les couvre-feux débutent à partir de 22h jusqu'à 5h dans la ville de Goma et de 21h à 5h juste dans les villes de Beni et Butembo. On va écouter ici le général des brigades Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, dans les propos recueillis par notre correspondant Germain Stikour. L'opinion a suivi la modification des heures de couvre-feu telle qu'annoncée par son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu lors du point de presse organisé avec le ministre de la Communication et Médias dimanche dernier à Kinshasa. En entendant la signature par l'autorité provinciale de l'arrêté modifiant les heures du couvre-feu, celui-ci reste maintenu de 21h à 5h du matin dans la ville et le territoire de Beni ainsi que dans la ville de Butembo et de 22h à 5h à Goma et dans le reste de la province. Aucune barrière ne peut donc être érigé avant les heures indiquées par ce communiqué par les services de défense et de sécurité. Toute compromission en cette matière entraînera la sévérité des mesures administratives contre les services de l'ordre et aussi des poursuites judiciaires. On va parler justice. L'affaire major magistrat Valérie Kipaka et consort devant la haute cour militaire a été prise en délibéré. C'est mardi 28 décembre 2021. Les prévenus au nombre de 13 sont poursuivis, entre autres pour association des malfaiteurs et vol à main armée. Patrick Poldongaziami. Mardi 28 décembre 2021, la haute cour militaire qui juge le major magistrat Kipaka Kia Kipaka Valérie, le commissaire supérieur adjoint Vangupaka Dialelo et 11 autres prévenus a reçu la plaidoirie des conseils des deux prévenus restants.
Le premier, Maître Jonathan Molima, a plaidé non coupable son client, Suleiman Kanza Matumona. La question a été posée ici durant toute la durée de l'instruction pour voir même le PV des saisies des larmes dont fait allusion le ministère public dans sa décision de renvoi. Et aucunement il a été fait mention de celle-ci. La Cour dira cette infraction non établie à charge du plaidant et renvoiera à tout fin de poursuite. Maître Jean de Dieu a fait pareil pour son client Papy Chabot. Quelle faute pour le ministère public de ne vous avoir pas prouvé pendant l'instruction du dossier, de n'avoir pas apporté de preuves pour soutenir sur l'accusation, que ce soit dans ses réquisitoires, que ce soit dans l'instruction, vous allez simplement et purement dire non établi en droit l'infraction d'association des malfaiteurs telle que prévue par les articles 156 et 158 ou présentée par le ministère public, et vous allez acquitter mon client faute de preuves. La haute cour militaire a pris en délibéré la dite affaire après la réplique et contre-réplique des parties. Elle a promis de rendre son jugement définitif dans le délai prévu par la loi. Et le vice-ministre des Affaires étrangères est arrivé ce mardi 28 décembre à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Sami Adubango Awoto est allé en Jean-Baptiste baliser les chemins au coordonnateur du programme DDRCS. Sur place à Bunia, une série de consultations a été annoncée en préambule de ces programmes. Charles Lyomba est notre correspondante. Sami Adubango est arrivé dans l'après-midi de ce mardi 28 décembre à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ce fils de l'Ituri, l'unique du gouvernement Samalo Kondé, a été accueilli au pied de l'avion par les couches sociales de l'Ituri et une foule à la sortie de l'aéroport de Bunia. Il dut venir préparer les terrains au coordonnateur du programme DDRC qui est attendu dans cette partie du pays pour désarmer les forces armées négatives encore actives dans la province de l'Ituri. C'est à lui d'appeler les groupes armés à adhérer à ces processus DDRC, une main tendue du chef de l'État. Je suis venu à Bunia spécialement pour une mission officielle, pour préparer psychologiquement à disant que le moment tant attendu est arrivé. Je viens baliser le chemin pour l'arrivée des cordons nationaux du programme DDRC. Un programme très ambitieux. Un programme que nous devons approprier, l'unique programme qui pourra aider est la jeunesse itourienne ainsi que nos frères qui ont pris les armes. À travers ce programme, il y aura la paix. À travers ce programme, il y aura la pacification de l'Ituri. À travers ce programme, il y aura la stabilité et pourquoi pas le développement de l'Ituri. Raison pour laquelle je suis venu d'abord comme membre du gouvernement et aussi comme le fils du Mili. Sami Adubango a promis consulter les différentes couches sociales avant une grande conférence sur la paix. Tractation autour de la CENI jusqu'à la mise en place du bureau définitif de cette institution d'appui à la démocratie. Eric Isami Boanzale a réfléchi là-dedans et nous présente ses dossiers en page rétrospective. En République démocratique du Congo, il existe un seul organe habilité à organiser les élections et à en assurer la régularité à la lumière de 5 ans de mandature. Cet organe porte le nom de la Commission électorale nationale indépendante CENI et il y a déjà une expertise avérée après avoir réussi à organiser parfois dans les contextes peu rassurants des élections par 3 fois en 2006 sous les labels CEI, en 2011 avec la CENI, en 2018 et la série continue avec le regard dirigé vers le rendez-vous de décembre 2023 attendu par le peuple congolais. Si l'équipe qui forme l'administration de la CENI reste bien en place,
Il faut dire qu'en République démocratique du Congo, c'est surtout les choix des animateurs au sommet qui divisent les Congolais et créent des ennuis au point de mettre parfois en mal tout un processus. En effet, en RDC, selon la loi, il est aussi dit que c'est aux 8 confessions religieuses évoluant au pays que revient le devoir de choisir les membres du bureau de la CENI et ceux qui y siégeront comme membres de la plénière pour soutenir les actions amenées par le bureau de la centrale électorale. Et c'est là que le Romain se rentrera dedans. Tout le monde sait qu'il faut choisir à temps ses responsables, mais les partis impliqués pour honorer ces rendez-vous ont fait preuve d'antagonisme sans précédent. Réputés tous hommes de Dieu, les 8 confessions religieuses ont d'abord, en son temps, jeté leur dévolu sur la personne de Malonda Ronsard. C'était sous Jeannine Mabunda Lyoko Mudiay. Ces choix avaient été également entérinés à l'Assemblée nationale. Mais rejetés in fine à la présidence de la République, censé les nommer pour confirmer officiellement par ordonnance présidentielle et l'autoriser à débuter le boulot. Ce processus a été émaillé de plusieurs échauffourées dans quelques villes de la RDC au motif que Malonda Ngimbi serait l'homme du régime Kabila Kabange et apparemment que le peuple ne voulait plus voir. Et le processus a tangué. Les différents acteurs ont été obligés plus tard de revenir à la case de part, attendre le basculement de la majorité au Parlement, cette fois-ci une majorité acquise à la cause du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour activer la machine. L'Union sacrée arrive, l'on poursuit les négociations, l'on multiplie les rencontres et les choix posant toujours problème. Cette fois-ci, le blocage va quitter les camps de politique pour être la tribu même de ceux qui sont perçus dans la communauté comme étant des oints de Dieu. Après moult réunions, à l'issue de plusieurs rencontres et reports du groupe des 8 confessions religieuses, toujours pas capables d'être d'accord sur un consensus, l'on a enfin obtenu le choix de Denis Kadima Kazadi, à qui très peu de gens donnaient la chance d'être placé à la tête de la CENI. Il a été entériné, de plus investi, mais son équipe reste toujours incomplète, car 3 postes notamment réservés à ceux qui doivent venir de l'opposition politique restent vacants. Mais en expert, lui, Denis Kadima Kazadi, sachant que le temps ne nous attend pas, l'homme s'est véritablement mis au travail pour ne pas occasionner les pires des scénarios, c'est-à-dire les glissements dont personne ne voudra endosser la responsabilité en RDC. Denis Kadima a réussi avec son équipe à faire faire un séminaire d'imprégnation de membres de la CENI pour cerner tout ce qu'il y a à faire. Fichier électoral à actualiser, etc. Gagné en termes de temps, en vue d'offrir aux Congolais des élections en décembre 2023 dans la transparence, le respect des règles de l'art et surtout dans la paix. Pour ce faire, il rencontre tous les partenaires nationaux comme étrangers. Le 8 décembre 2021, l'équipe dirigée par Denis Kadima Kazadi a été reçue par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais avant comme après, les échanges n'en finissent pas avec les différentes parties prenantes au processus électoral congolais qui, au-delà de tout, s'est déjà affirmé dans les continents africains. Nous allons à présent parler sport dans ces journaux. Les collectifs des candidats aux élections à la Fédération congolaise de boxe exigent d'abord que le comité sortant du président Ilunga Luyoyo puisse tenir l'Assemblée générale ordinaire avant de passer à celle dite extraordinaire et élective. Patrick Borel, Mukendi et Patty Mvouzi ont recueilli pour vous les propos du président du collectif Aimé Vumbu. Le collectif des candidats que nous sommes aux élections au poste de bureau exécutif de la Fédération congolaise de boxe tient à informer l'opinion sportive qui n'est pas d'accord avec la manière de gérer la fédération par son président actuel. En fait, l'intention manifeste du président Luyoyo était d'escamoter l'Assemblée générale ordinaire et de passer directement à l'Assemblée générale extraordinaire et élective, dont il a préparé un plan hors texte légaux. Ceci s'explique par la sortie de la lettre d'invitation à l'Assemblée générale ordinaire antidatée au 2/12/2021, portant le numéro 160. Alors que
la lettre invitant à l'Assemblée générale extraordinaire élective datant du 4-12-2021, porte le numéro 159. Quant à cela ne tienne, car les textes logo permettent que l'Assemblée générale ordinaire se tienne malgré tout dans la saison morte qui commence le 26 décembre de chaque année. Comme dit dans notre lettre dont vous avez eu en copie, l'Assemblée générale ordinaire est impérative pour rendre compte de la gestion de la fédération pendant la saison sportive 2021. Et elle portera sur les points statutaires à savoir 1. Le rapport moral du président dont l'immoralité est différemment appréciée. 2. Rapport administratif portant sur la gestion administrative jugée des actes catastrophiques et ponctuée des commisérables irrégularités et violations des textes et d'un chapelet des irrégularités et compatibilités. Devant pareille situation de confusion administrative, les candidats au bureau exécutif de la fédération n'ont pas pu déposer leur dossier de candidature. Soir toujours, la Confédération africaine de football a procédé à l'Ejdir ce mardi 28 décembre au Caire en Égypte au tirage au sort de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglais Bert de la République démocratique du Congo sont logés dans la poule C aux côtés des Coton Sport du Cameroun, Al Masri d'Égypte et Otoyo du Congo, Brazzaville. Patrick Borel Mukendi y reviendra demain avec force détail. À présent, nous vous proposons les condensés en international. Ligue des champions de l'ECAF, le TP Mazembe veut sauver sa saison sportive sur le plan continental avec une prestation XXL en Coupe de l'ECAF. Ces clubs noirs et blancs de Lubumbashi a réussi d'accéder en phase des groupes lors du tirage au sort. Vous ne le savez peut-être pas, le chanteur congolais François Matumona Lulendo, dit général des FAO, est décédé depuis le lundi 26 décembre à l'hôpital Kentini de Douala, nous sommes au Cameroun. Des FAO était non seulement l'une des meilleures voix du Congo, mais il était aussi, sans nous doute, l'un des meilleurs danseurs de plusieurs générations. Nous vous proposons ici de suivre un extrait de ses quantités et ses réalisations. À Sansasé, marché central de Kisangani, Kasero Moliangasu, Papi Mede, Luizuka. La bonne est Mangango. Voilà. Pouette, Duku pouette. Singa Kemba Yanzambe. Atalia Tipo. Komi Kotianga Mopanga Nantima. Mélodie. Aye Sengwe Komi Akakofondi. Lobo Koyepi. Ndengenga na koma kakila. Absence na yo yambala oyo ileki. Zemba nininga na yemba mpoyo kanga ima wa Mokende teko tika tetwe shatiku Afalopi ni papa na shikli. Nous allons revenir certainement demain sur un élément bien élaboré sur les décès du général Defao. À présent, nous vous proposons la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patrick Poldon Gaziam. La fête de Noël est passée, celle de Nouvel An arrive à pas de géant. Où sont passés les poissons chinchards du gouvernement, se demande le journal Vraie Thématique. En effet, évoquant les poissons chinchards en provenance de la Namibie qui ont alimenté les débats il y a peu, le tabloïd constate qu'ils n'arrivent toujours pas dans les assiettes des Quinois. Est-ce un problème de conditionnement ou de management de ces produits surgelés, s'interroge-t-il. Réponse: il faut mettre en place des mécanismes qui réduisent la pression d'imposition sur les opérateurs économiques et faciliter l'accès à de nouveaux intervenants pour briser les monopoles et casser les prix
comme c'est le cas du secteur du ciment gris. Les parutions de ce 28 décembre se sont aussi intéressées à la tournée du président de la République dans le Grand Kassai où, à lire la manchette de la tempête des tropiques, il a annoncé d'importants travaux dans cette partie du territoire national. Il a aussi donné des assurances quant à la relance de la minière des Bakwanga, Miba en sigle, dont la faillite est considérée comme l'une des causes de la pauvreté de la population du Kassai oriental. Il convient de signaler avec l'agence congolaise de presse que le président de la République, Félix Tshisekedi, tient au démarrage effectif de la couverture santé universelle en 2022. C'est ce qui ressort de la 34e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée par visioconférence vendredi dernier avant sa tournée dans les provinces de l'espace Kassai. Forum des As et l'avenir reviennent sur l'attentat de Beni, attentat auquel le Premier ministre a réagi. D'abord, en appelant les Congolais à dénoncer tout mouvement suspect et anormal selon la manchette de Forum des As, et ensuite en promettant d'en finir avec le terrorisme dans cette partie de la République. Bonsoir. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenez l'essentiel à retenir. Poursuivant sa mission d'itinérance dans le Grand Kassai, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce lundi 27 décembre 2021 les sites miniers de la société Anu Congo SARL, une entreprise spécialisée en investissement minier. Préoccupé par la situation sécuritaire dans la ville de Beni, au Nord Kivu, au lendemain d'un attentat terroriste perpétré par l'ADF, le Premier ministre Jean-Michel Samalukondo Kyenge a présidé une importante réunion de crise de sécurité ce lundi 27 décembre 2021 à la primature. Cette réunion a connu la participation de quelques membres du gouvernement et des responsables des services de sécurité et des renseignements. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous et bonne soirée dans vos familles.